Voilà, donc normalement ma catégorie est mise à jour. Voilà, je réappuie sur OK parce que j'ai peur de me planter. Là, là, là. Voilà, il faut que je mette ça. Voilà, que je fasse jouer. Et normalement pour vous, ça devrait être bon. Avec Twitter, on fait des réglages. Ah, avec TuneSend. Avec TuneSend, tu fais des réglages, ok. Ah ouais, non mais il est indispensable l'ami TuneSend pour la technique et faire des beaux trucs. Ouais, c'est cool, merci à lui à une énième fois, ouais. Ouais, c'est bien. Je vois dans mon retour de chaîne, dans ma coulisse là, mon logiciel technique qui me dit que j'ai bien changé de catégorie et de titre. Ok, c'est cool. Je vais continuer l'exploration de la zone dans laquelle je me trouve en espérant que je ne vais pas me faire trop allumer. Ah, la porte de pizza. Oh, la playa pour resaluer Christella. Allez, l'autre game. J'en étais là, moi? Déconne pas. Alors, il faut absolument que je mate ma carte. Initialisation du niveau. Et chez chaque beau. Oh, j'ai le temps de revoir un coup, moi. Ah. Alors. J'avais dit la carte. J'en suis où? Ah ouais, je suis à l'autre bout du monde. Regardez, je suis tout en haut à gauche. Je suis au nord-ouest. J'ai plein de routes à explorer en fait. Avant même de. Alors, ça, oui, en bleu, c'est mon repère. Avant même de. Oh là là, ouais, non mais j'ai. En fait, j'ai plein de routes à découvrir et je vais me faire allumer quoi. Avant d'honorer une quête secondaire ou principale. Bon, j'ai ma principale qui est là, mais je la ferai pas aujourd'hui, la zone 51. Il faut vraiment que j'essaie de découvrir à mort la zone dans laquelle je me trouve. Oui, donc n'hésitez pas, voilà, à m'écrire. J'essaye au mieux d'être attentif à la carte. À la carte. Au chat, pardon. Mon cerveau, mon délicieux cerveau, dis-moi où est-ce que je devais aller. Oui, on est d'accord, j'ai plus rien sur moi, j'ai vidé mon stock. Faut que je reprenne la route là, de ce que je me souviens. Attends, j'ai fait ça ce week-end et je suis déjà dans le doute. Heureusement que ça fait pas 15 jours que j'ai abandonné le jeu parce que je serais complètement perdu. Gentil ou méchant? Méchant. Méchant! Va mourir, méchant! Here I am. Oh, 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 oh. Non, faut que je bouge en marche avant, parce qu'en marche arrière, ils vont pouvoir m'allumer, je suis pas assez rapide. Faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je les enquiquine. C'est un vrai sport. Avancer avec le véhicule au clavier, à une main pour ma part, ça m'arrange bien. Et gérer le flingue à la souris, c'est vraiment sport. Je suis en train de penser à un truc tout bête. Mes interactions chaîne Twitch et mes jeux. Je suis en train de me dire si je pourrais pas trouver un greffon pour Winamp, mon lecteur multimédia comme vous le savez, et vous permettre via éventuellement via le chat de passer une piste à l'autre. Vous donner les commandes de la musique. Ça...
Tiens, il faudra que je vois si c'est possible. Parce que là, la musique, elle est un peu lancinante, elle est un peu longue. Alors, je sais que Nainonette l'adore, mais je suis pas sûr que ça pèse à tous. Et vous donner la possibilité de faire piste suivante, ce serait pas mal. Là, il faudra que je réfléchisse à ça, tiens. Au lieu de faire une commande dans le... Enfin, une commande, une sollicitation dans le chat ou dans ma boutique pour me demander à choisir la musique. Faudra que j'essaye de voir ça. L'idée me séduit bien. Je suis pas sûr d'avoir pris le... Si. Si, apparemment j'aurais pris la bonne route. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du vroom vroom. Ça pourrait peut-être revenir en semaine. Là, théoriquement, je pourrais rediffuser jeudi après-midi. Je me ferai peut-être une session... Gran Turismo, ça me manque. Donc faut que je prenne la route là. La route là, je la connais pas. Faut absolument que je découvre la carte. Bonjour Monsieur Poupon. C'est ça. Mad Sage Max, c'est exactement ça. Ça va, pas trop chaud. En Bretagne, ça doit être supportable. J'ose espérer. Oui, bisous tout plein. Waouh. Je me laisse hypnotiser par la formation rocheuse. Dans quel secteur je suis en train de m'aventurer là? Je suis même agréablement surpris de ne pas m'être fait agresser. Non. Waouh, c'est une ville qui est planquée là-dedans. J'ai l'impression qu'on peut aller sur les côtés là-bas. Je peux y aller? Ou pas? Je peux pas y aller, ce sera plus tard. Qu'est-ce que... Mais c'est vraiment l'ambiance à la Mad Max là pour le coup. Ah vache. Énorme. D'ailleurs, de peur de me faire exploser, je vais sauvegarder. Je reviens de la déchetterie, ils n'ont pas voulu de moi. Ah merde, ils t'ont refoulé? Ça va, il fait lourd et orageux, ça va péter. Ah merde, ouais, écoute. sérieux, tu t'es fait refouler de la déchetterie? Oh les boules. La dernière fois que j'ai fait la déchetterie avec un copain, on a eu du bol, on nous a pas posé de questions. Et ça tombait bien parce que j'avais pas mal de... Je sais pas combien de kilos de déchets, de merdouilles à me débarrasser depuis plusieurs années. Là. Et ça a été un énorme soulagement. Ouah, doucement avec le camion, je vais te bousiller. Nom de moi en tant que détritus. Quelle horreur. N'importe quoi. Bon, je commence par regretter mon excursion hors piste. Je sens que ça va mal se finir. Ah non, c'est une terre vierge, j'ai rien à faire là. Je suis hors carte là, c'est pas possible. Ah non, je suis pas hors carte. Oh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Si j'essaye d'aller par là-bas, je vais me donner un repère géographique. Paris-Dakar. C'est minimaliste, mais c'est pas pour me déplaire. Alors, Delta nous dit... ils vont mettre des cartes pour la déchetterie. On m'a dit...
Il faut que j'y aille avant aussi. Ouais. Bah moi dans mon secteur Lorraine c'est déjà le cas depuis plusieurs années. En fait c'est devenu beaucoup plus strictement contrôlé. What? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est psychédélique. Hop hop hop, mon véhicule qui est en train de partir à toute berzingue. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On se croirait à Pripyat, vous savez, là, alors malheureusement, une pensée pour les Ukrainiens. On se croirait à Pripyat, la ville fantôme à côté de Tchernobyl, le réacteur tristement célèbre. On se croirait, sans déconner, à Pripyat. Hein. Ça fait flipper. Waouh. Ouais, je suis navré de vous offrir un si sinistre spectacle, ouais. Mais ouais, c'est ça, Poupon. Là, là, c'est dur. Oui, vérifie, oui, Delta. Ouais, ouais, ouais. N'hésite pas à regarder aussi le site Keronos pour les orages. Si tu veux voir l'évolution sur en France des impacts au sol repérés en quasi-temps réel, Tu vas sur Keronos en plus de Météo France. Qu'est-ce qu'il y a en contrebas? Waouh, trop bizarre. Et la carte dit quoi par rapport au lieu? Je suis où? Il y a un nom? Ah non, il n'y a pas de nom. Trop étrange l'endroit. Ça fait flipper. Heureusement le soleil se couche plus tôt. Ouais, bah oui, c'est ce qui nous sauve du coup. Oh, il y a de la marchandise. Bah. Space to pick up cargo. Bah, attends, elle est où la marchandise? Il me dit qu'il y a de la marchandise. Là? C'est ça la marchandise? Bah non. Oh, il y a une station service, mais elle est abandonnée, elle est complètement emmurée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le Spectre. D'accord, je vais récupérer des pièces détachées, un flingue d'un ancien véhicule. Je l'ai pas distingué dans le décor, mais bon. C'est offert par la maison. Attends, je vais aller en face. Parce que l'étendue permettait l'exploration sans difficulté particulière. Et je reviendrai sur la ville fantôme et je reprendrai la route. Trop bizarre. Faut que je fasse gaffe à mon essence. Là je suis tellement à mon aise à pas me faire attaquer que je serais capable de tomber en panne sèche. Il faut pas que je fasse l'idiot. D'avoir une route là-bas. Ah mais c'est pas la route que j'avais empruntée jadis. Ah non. D'accord, trop bizarre. Je pourrais aller en face. Il y a une route en face apparemment. Ah oui, celle-là. Là, apparemment, si je prends le chemin là, je reviens sur le territoire que je connais déjà et je vais me précipiter dans une station-service pour ravitailler et me rafistoler là, faire quelques réparations. Ah, ça, mais c'est un village, ça, c'est intéressant. Ah, bah ici, je vais trouver mon bonheur.
Bonjour, tout le monde. Oui, bah je leur rends. Ouais, pour ce que c'est. Moi j'ai pas de cas. Alors, réparation du véhicule. Clac, clac, clac. Mais ça va. J'ai un petit pécule confortable, c'est cool. Merde, c'est la nuit. Mais je vais retourner en exploration parce que. Oula, attends, faut que je roule doucement si j'écrase un mec. Déjà que ma première partie, j'ai écrasé un clampin qui s'était collé à mon véhicule. C'est d'un ridicule. Ça fait l'objet d'un clip, hein. Vous le reverrez bientôt dans la copie des clips. Merde, il y a des vilains. Ça y est, j'en ai excité. J'en ai excité certains. Merde, c'est un camion comme moi. Ouh, le duel va être long. Le duel. Ah, je vais retourner en ville pour me faire réparer, c'est même pas la peine. Hein. Il faut que je lui tourne autour et que je l'allume. Voilà la recette de la victoire. Il offre rien de Saligo? Ah si, il avait de la cargaison. Ça va payer mes frais de réparation. Attendez, je vais vous lire. Je vais rentrer dans la ville, je vais être peinard, je vais vous lire. Qui fait quoi? Alors, Poupon qui répond que c'est là, ça c'est cool. Ça refroidit l'eau du jacuzzi gonflable. Jadis, autant jadis, enfin une streameuse cultivée. Alors, Fun Fan qui s'adresse à moi. Tu as une scène, on est en train de préparer des scènes de Resident Evil 2 1998. Sympa! La classe! Avec. Ouais. Tire dans les pneus. Ah, j'ai pas essayé la technique de tirer dans les pneus. Sympa la suggestion, je la prends, merci monsieur Poupon. Faudra voir. Ouais, si la physique est prise en compte pour les pneus, c'est pas idiot du tout. Non, je prends pas de quête maintenant, je fais de l'exploration. Je me concentre vraiment à l'exploration parce que la carte découverte, ça facilite énormément la vie. C'est un peu comme les problèmes mathématiques. À la condition qu'ils soient bien posés, on peut dire qu'ils sont déjà à moitié résolus. Oh mais merde! Décidément la nuit, tous les vilains sont gris. J'ai envie de dire. Ça va, c'est des petits là. Les moustiques! Va mourir moustique! Ils sont où les autres? Ils sont en face? Je les vois pas. Ah, ces idiots sont dans le décor. Oui bah qu'ils y restent. Ah si, ils arrivent à m'allumer. Salopard. Oh non, c'est encore un camion! Oh, la bataille va durer 10 ans. Alors les pneus, je suis la technique à monsieur Poupon. J'essaye de viser les pneus. Merde, je me suis encaissé dans un arbre. Oula, je prends cher là. Ça a pas l'air de marcher les pneus. J'ai pas l'impression. Je m'acharne sur le pneu arrière, mais ça a pas l'air de faire effet. C'est ça, tire sur ton coéquipier, abruti. On va bien rigoler. Merde, je suis dans les arbres. Non! Je vais mourir, au secours. Ah! Il m'a rentré dedans, salopio. Merde, je suis coincé, je suis un homme mort là. Je suis un homme mort. Ah, je peux plus. Charge.
Alors je les ai zigouillés, mais moi je suis dans la merde. Je suis encastré. Au secours. Il n'y a pas de dépanneuse, hein. C'est chacun pour soi ici. C'est pas le jeu de camion. Ah, mais pourquoi? S'il y en a d'autres qui arrivent, je suis ça signe mon arrêt de mort. C'est même pas la peine. Mais non, mais non, mais dégage-toi, bouge, bouge, bouge. C'est quoi qui me bloque? C'est la végétation? Ah, oh, je fais un avant-arrière comme un fou furieux, mais... Allez, allez, débloque-toi. Au secours. C'est la panique. Panique on board. Je vais mourir comme un caca. On sait jamais. Je vais sauvegarder si j'arrive à en sortir. Ça me ferait chouer de perdre aussi bêtement, quoi. Ah, merde, Doom. Et voilà, je suis mort. Il va m'allumer, je suis mort. En fait, c'est cyclique, c'est à répétition. D'ailleurs, ma première partie, il y a je sais plus qui a eu la gentillesse de me guider et qui m'avait expliqué que j'étais victime d'un bug. En fait, j'avais des ennemis qui apparaissaient à répétition alors que c'était pas normal. Je me défends, mais à mon avis, ils vont pas donner cher de ma peau. Non, j'arrive pas à le toucher. Non, mais non, mais c'est horrible. Non, mais je vais devoir prendre ma sauvegarde précédente, c'est dégueulasse. À moins que, en rechargeant ma partie fraîchement sauvegardée, j'aurai peut-être un debug. On va voir. On va essayer. J'y crois pas trop, mais on peut toujours essayer. Ah, j'y ai cru. Si, j'ai l'impression que ça a amélioré le... J'ai l'impression que ça a amélioré quelque chose. Attends, pourquoi je suis dans le... Ah non, ils m'ont eu, là. Là, ils m'ont mis en pièce, là. Il y a comme un mur invisible. Il y a ce qu'on appelle les boîtes de collision, les hitbox techniquement, qui sont un peu foireuses dans le jeu là. C'est dommage. Oui! 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 Faut que je sauve ma peau. Oh là, je prends des gros risques là. Le village, réparation, au secours. Ayez pitié de moi. Il n'y a pas de pitié dans Mad Max, ça n'existe pas. Ah. Ouh, ça va douiller. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. Ça va. On sauvegarde. C'est le matin. Ah, le matin va m'aider. Ouh! Et ben je reviens de loin. Ah oui, j'ai failli emboutir une maison, tout va bien. Pas avec ça que je vais faire copain-copain avec les villageois, moi. Ah, sauvé. Oui, bah, die toi-même. Merde, il y en a un autre devant moi, quoi. Il est où? Ah, je l'avais pas vu. Alors, marchandises. Marchandises. Bon, ça va. Ils sont généreux. Allez, je continue ma route. Hein. J'ai arrêté de faire des allers-retours avec le patelin à chaque fois que j'ai un conflit. À tel point que je ne sais même plus par où je voulais passer.
Ah, c'est des copains, eux. Alors, pas lui. Lui, pas copain. Pardon. Merde. Je me présente à l'ennemi alors que j'ai nul, le mec. Allez, va mourir. Oh, comment qu'il a giclé comme un caca. Ça me plaît beaucoup. Ah. Oups. Mince, oh, comment endommager bêtement le véhicule. Percuter à fond la caisse, les carcasses. Here I am. Oh non, là, ils apparaissent trop souvent. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Alors, cette route, je ne la connais pas. Partons à la découverte de cette rue. Oui, cette rue inconnue. La nationale, presque l'autoroute là même. Ouais, c'est une 2x2 voies, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Excusez-moi, je pense qu'on m'envoie un message. Ah non, elle est rechargée pleinement. Je rechargerai la tablette. Elle signalait qu'elle était rechargée. Oh, c'est une station. Ah, oh, je peux me réparer et me ravitailler, trop bien. Trop bien. Alors, par contre, ils achètent pas ce que j'ai, mais... ouais, je suis déjà presque plein au niveau matos. D'accord. Vas-y que je remate la carte. Ok, d'accord. Donc, la route se poursuit. Oui, c'est bien. L'autoroute a l'air de se diriger vers le point que je voulais cibler. Bon, là, ça devient beaucoup plus montagneux. Vu la circulation, j'ai même pas peur de rouler à contre-sens. Hein. Dans ce monde apocalyptique, d'ailleurs, j'ignore s'ils ont un sens. Ah, d'accord. C'est pour aller sur la carte suivante. D'accord. Reading. Est-ce que j'y suis allé à Reading? Ah, non. Apparemment, j'y suis jamais allé. Enfin, quand je dis ça, non, je sais pas, à vrai dire. Parce que moi, je viens de Varat. C'est le point de départ du jeu. Je vais explorer à mort Waterland, là où je me trouve, et puis après, je ferai les... 1 km. Est-ce que je peux aller au milieu de la montagne? Prends des risques, tant pis, mais j'aurais pas passé à côté de quelque chose. Wow. Non, je sais pas s'il y a un truc à voir dans la montagne. Oh, je l'attends vers le flanc là-bas. Allez, je me fais un petit Paris-Dakar. Je vais sauvegarder au cas où. Ce serait dommage que je perde mon gain. Paris-Dakar. Popoyopoyopopo, le camion qui pourrait prendre cher mais qui s'en sort très bien. Comme quoi il y a une tolérance à se faire valdinguer. Mais l'ascension, j'y crois pas. La première partie encore, ok, mais alors là, ça devient vraiment rocheux. Non, il y a un mur invisible. Je viens d'être stoppé net par le Schmilblick, c'est non. Non, quand c'est trop gris, ça veut dire que c'est pas possible d'explorer. Ok, aïe. J'ai merdé ma réception. Et je vais peut-être rejoindre la route par le bois.
Ouais, ça reste encore. Alors, l'épisode précédent, pour ceux qui n'étaient pas là, ça a été la caca pour moi, l'exploration, parce que là, je suis dans la partie ouest de la carte qui est relativement, on va dire, paisible. Oui, on peut le dire. Par contre, la partie est, elle est tellement montagneuse avec des cours d'eau que je suis retourné au fond de l'eau, mort. Là, la chute mortelle, là, j'en ai fait, je l'ai faite 4-5 fois la dernière fois. À tel point que parvenir à compléter la carte va pas être évident. J'appréhende. Je peux couper à travers plaine, à défaut de dire à travers champ. Là, normalement, je prends la direction de la civilisation. Ah, c'est agréable de pas se faire agresser continuellement. Ouais, je rejoins la route, là, on voit que je rejoins la... ce qui a été balisé. Ah bah voilà. C'était scripté, il fallait que j'ai un poursuivant sorti de nulle part. Ah bah oui, je suis de retour dans le patelin. Bon bah c'est très bien. C'est un bon point, c'est une bonne chose. Alors, j'ai de la marchandise à vous vendre. Pas mal de pièces détachées, c'est bien, ça me fait de la thune. J'en ai besoin après la déculottée que je me suis prise. Là, je vais gérer avec parcimonie mes sauvegardes. Ouais, celle-là, je peux la virer. Ouais, je vais en garder une intermédiaire, pas plus, quoi. Et là, celle actuelle, là, je peux sauvegarder, voilà, très bien. C'est propre, c'est bien. Alors, Popon qui dit, ça, ce commentaire inutile sert à faire fonctionner le déroulement du chat afin d'éviter le blocage du mécanisme. Merci, c'est gentil. Alors, la question est, par rapport à la carte, qu'est-ce que je fais? Pour ceux que ça intéresse, hein, n'hésitez pas à jouer à la pêche ou des trucs comme ça dans le chat, hein, faites-vous plaisir. Surtout que là où on est peu nombreux, ça va pas déranger grand monde. Oui, non, il faut que je rezoome sur mon monde actuel. Lost, c'est ça, perdu. Perdu, mais nulle part. Alors, il y a la route là qu'il faut que j'aille redécouvrir. Je l'avais faite une première fois, mais j'étais mort, donc ça n'a pas sauvegardé. Oh la vache, dur. Dur. Ah, je me demande comment on accède à la planque, la forteresse sous la montagne là. Excellent. J'aime beaucoup le concept. Ouais, je vais essayer de faire cette exploration là. Oups, j'ai eu un petit gel. Ok, d'accord. Il faut que j'aille par là. Faut que je prenne le bitume. Eux, faut que je les allume. Oh, j'avais pas vu qu'on avait un troisième. Oh, je récupère de la marchandise à ce que je vois. Du coup,
cool. Oh, je m'en suis bien sorti, je les ai bien gérés. Voilà, là on le voit. On voit une mallette, c'est ça que je récupère. Mince, pardon. Voilà, clac. Je récupère les pièces détachées de mes ennemis. Oui, j'avais dit qu'il fallait que j'aille par là-bas. Oh Dieu. Je serais pas allé par là. D'accord. Ah. Oula. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, on est ici pour gagner du pognon, avoir du divertissement, tac tac tac, je suis désolé de te le dire, mais nous n'avons rien à t'offrir. Des bandits perdus, argent ici, underground, de rage. Ok, donc les bandits ont tout retourné par ici, ça a été le zoo qui est le chaos. Mais, le policier vient de... Payer 100 pièces et je te donnerai une chance de... Pourquoi pas. Alors, écoute attentivement. Un conducteur blanc sur un conducteur noir rencontre un conducteur... Attends. Un conducteur blanc sur un... camion noir, je traduis très mal, pardon. Rencontre un conducteur blanc sur un camion blanc. Qui c'est qui meurt le premier? Alors, ça me met un poil mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu raciste. J'espère que c'est pas le cas. Parce que ce serait vachement de mauvais goût. Je pense qu'il faut voir la logique d'Amier de... Oui, voilà, d'Amier. Attends, je suis vraiment... Bah, j'ai que le... Ouais. Ah bon? Oui, c'est bizarre. Ouais, bof. Du coup, j'ai gagné un pari, mais bref, c'est... Mince, j'ai fait F3. Show no mercy. Merde! Ah, c'est débile! Ils ont mis la touche sauvegarde à côté de la touche de chargement. Généralement, on espace de plusieurs touches, les deux fonctions là. Donc, au lieu de sauvegarder, je viens de charger comme un gros niveau. D'ailleurs, j'espère que je peux changer la touche, là. Parce que je vais devoir me recoltiner le... contrôle. Double mauvais goût. Même les touches, elles sont pas bonnes. Mais non, Quicklow, tu me le mets à l'autre bout. Tu me le mets à... J'ai rien en F12. Eh ben, mets en F12. Eh ben, voilà, c'est parfait. Non, ça fait capture d'écran. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fera une capture d'écran en même temps. Ah bah merde Oum. Manquez plus que ça. Oh, faut que je recommence. Show no mercy. Allez, c'est reparti. Ouais, un camion, génial. L'horreur.
Allez, viens sur la route, vilain. Attends, je vais peut-être... Non, j'allais dire... Je me ferais bien plus fragile d'abord, mais il est plus loin. Ouais, joli. Oh, bien, je commence à maîtriser, je trouve. Je me défends. Oh, je te donne le tournis, gros vilain, gros nico. Tu vas y rester. Ah, hop, j'ai chopé son matos, salut. Ah, vache, il est périlleux ce salopio. Merci. Nickel. Ouh. Ah, je suis à 3 bornes de mon... De là où j'ai bêtement rechargé. Oh là 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 là. Excusez-moi si ma faute. Bah oui, malheureux. Oh, un chabot commun. Bien joué, Popon. Oups. Attends, mais non, c'était pas le bas. Ah oui, j'avais mis au beau milieu de la cambrousse. Mais non, oui, j'avais vu qu'il y avait rien d'intéressant. Non, mon secteur était là-bas. Ok. Oui, non, du coup, je suis quasiment revenu sur place, c'est bon. J'ai fait la route de mémoire et bien. Alors, la blague, la nimouche. Tac. Voilà, c'était ça. Bon, j'ai retenu en plus les bonnes répliques. Donc là, je sauvegarde. Merci. Ah, on dirait presque un parcours de course avec les cocottes. Les cocottes qui sont géantes, hein. J'aurais pas dire, mais les cocottes sont plus grosses que des bagnoles normales. Si vous avez bien vu, regardez. C'est un parcours, on dirait, avec des micro-machines. Il y a des petits problèmes de proportion, les gars. Aïe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Wow. Du coup, c'est devenu une casse automobile. Ah, ce sera un jeu pour Canel et B. Ah oui, la cocotte, oui, c'est... Oh! Non, vous êtes sérieux? Je vais la tenter. Alors, je reprendrai ma sauvegarde parce que le camion, je vais le bousiller. Mais c'est trop tentant, forcément. Mince, alors que je me mange les fameuses cocottes, là. C'est beaucoup trop tentant. Je ne peux pas fermer les yeux sur ce... Ça me rappelle un peu Stuntman, le cascadeur. Une série de jeux que je vous recommande. Que j'ai eu la chance de faire au volant sur PlayStation et c'est un pied incommensurable. Mais c'est vraiment balèze, hein. C'est un simulateur de cascade. Nope. Heureusement que j'ai pas atterri sur le feu. Bon, mon véhicule est pas assez puissant. Et finalement, je l'ai pas endommagé. À ma grande surprise. Attendez, non, mais c'était derrière que je voulais... Oh, je vais faire tout le tour. C'est trop bizarre l'endroit. Oh, il y a même une route qui se dessine à côté. Oh, wow, il y a des choses à découvrir.
Il y a une route qui prend la direction des bois, dis donc. Oups. Une petite latence. Ok. Et donc, derrière la structure en béton, il y a quoi? C'était une tribune? Apparemment. J'aime bien l'effet de flamme, il est bien conçu dans le jeu. C'est classe. Bon, bah on va emprunter une des routes qui se... Je vais prendre celle qui allait dans les bois, là. Et puis je reviendrai ici faire la route intérieure. Merde, oula, il y a eu encore un gel. Bon, j'allais dire, si je coupe, je vais peut-être pas avoir la carte proprement. Voilà, là je peux tourner. Oh! Oh les vilains! Ouh, il est semi-blindé lui! Et il est dans les arbres, cet abruti. Donc je l'ai déjà bien entamé. Merde, il y en a un autre côté qui va venir. Oh! Ah, c'est un camion léger! Attention, il m'allume pas mal là. Oh! Ah, c'est plein de petits camions légers! Ouh, danger! Faut que je bouge parce qu'ils peuvent m'avoir eux. Ah non, pas les arbres, non! Ah bah tiens, je l'ai déraciné celui-là. Oh, je le renverse, la violence! La violence routière! Attention, là je suis en train d'y laisser des plumes. Pas de la tarte. C'est ça, loupe-toi. Oui, retourne-toi. Même si je me loupe moi, là, t'es en bien mauvaise posture que moi. Et boum. Ah, ils m'ont pas mal entamé, les salopios. Et ma récolte est bonne. Ça va me faire du fric, le recyclage de métal. Ah non, c'est parce qu'il y avait des cocottes, le jeu de mots avec les cocottes, mais moi je parlais des cônes de chantier là, qui sont disproportionnés dans le jeu, ils font la taille d'une... presque la taille d'un bus, leurs cocottes. Voilà, voilà. Des plumes de cocottes, mais non, mais non. Il y a confusion. Objection, votre honneur. Ouais. Je vais me poser la question, ça allait bugger ou pas? J'ai un peu flippé. Oh merde! Je les ai pas vus. Je peux y rester, c'est comme des véhicules moyens là. Merde, je savais que j'allais me manger. Ça allait pas tourner assez. Non! Mais il reste plus de vie! Ah, merci! Ah, j'allais dire, c'est dégueulasse, il aurait dû exploser avant. Et s'il a encore l'occasion de m'allumer, ça le fait pas, quoi. Bien! Je m'en sors bien, hein. Bon, la prochaine rencontre risque de mettre à tard, mais... je m'en sors bien. Donc la route elle mène où? Là il y a des intersections. Eh mais attends, je prends la route vers ma quête principale là. Je vais me faire déboîter parce que on m'avait fait comprendre que j'avais clairement pas le niveau. Ah oui, il faut payer en plus. Faut payer, mais ça correspond à...
Ouais, c'est ça. Ça correspond à l'accès à la zone 51. C'est... Il y a une chef de groupe de bandits que je dois pas taper parce qu'elle est coupable d'un crime et je dois lui faire payer. Mais il y a encore une route annexe que je connais pas, que j'ai pas arpenté là. Faudrait que je retourne à la station service. Me refaire une santé parce que grave déboîté là. Là je suis dans le rouge là. Presque. Ça clignote pas encore mais ça va pas tarder. Voilà les fameuses rivières, les canyons dans lesquels je suis tombé. À l'épisode précédent, j'ai eu le droit à une bonne douche, sauf que la douche elle est fatale. Si je croise des ennemis, je me barre parce que là je voudrais pas. Bah voilà. Je voudrais pas perdre. J'aimerais me réparer vite fait, bien fait. Merde, ils sont en face. Non, va mourir. J'ai déjà mes réservoirs hein, au niveau de l'essence. Est-ce que je peux couper? Je suis tenté de couper. Je vais prendre un risque. J'espère qu'il va payer. C'est une route que je connais, ça. Je me demande si c'est pas la route que je dois découvrir. Oui, je suis à 800 mètres de la station. Oui! Je vais survivre. Je vais survivre dans ce monde des brutes. Oula. Je prends le risque de couper. J'espère que j'ai pas mal mis mon pointeur dans le... Si, je crois. Sur la carte. Oups, j'aurais peut-être pas dû franchir. Mais non, mais c'est de la route, ça. Ah, ben elle est là, ma station. La v'là. Je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. Ah, c'est plus qu'un plein qu'il va me falloir. Un peu de réparation. Yes! Bien joué. Par contre, il faudrait que j'aille dans une ville vendre mon matos. C'est la nuit. Merde, oui, tu parles le temps de me réparer. L'horloge a tourné. Faut que j'aille dans une ville vendre mon butin. Je retourne à la ville de... Oh non, je vais peut-être aller à Pest. Ce serait pas mal que j'aille là-bas. Et j'ai peut-être même des affaires à... Des emplettes à y faire. Peut-être pas mal. Je me tâte à me dire sorti de la ville, est-ce que je reviens vers ma quête principale et je fais quand même une tentative de vaincre mon ennemi qui tente rien à rien. Comme je me débrouille pas trop mal là, je pourrais peut-être la tenter. Ouais. Oui, elle est là la ville. Il ne se dessine pas devant moi, ça me fait un peu flipper. Ah oui, c'est les trucs derrière. Enfin, je crois. Je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas allé dans ce patelin. Ah oui. Ah, c'est le pont. Oui, non, mais je vais pas payer pour traverser, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je vais aller faire mes emplettes. Hop, 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 hop. Ouais, bien, ça fait de la thune. J'ai refait un plein. Alors, ils peuvent vendre des camions. J'ai déjà le lorry. Ah. J'ai déjà ce level. Ils en vendent pas d'autres. Ouais, dommage. J'ai déjà mes 10 camions.
Oh, j'ai pas envie de prendre une quête secondaire. J'ai vraiment envie de la tenter. Voilà, il me propose de traverser le pont pour 500 pièces, mais je refuse. Je vais rester dans mes secteurs et je vais essayer ma quête principale, en fait. Comment que le camion est secoué? Hop, petite sauvegarde. Oh. Ouais, du coup, il faudrait que je sorte de la route à un moment. Parce qu'il y a une route qui est mystérieuse pour moi. Il y a une route qui reste mystérieuse. Bonjour Pierre, comment ça va? Je sais pas si... C'est une ambiance à la Mad Max, mais je sais pas si c'est inspiré de faits divers réels. Mais ce qui fait flipper, c'est que tout à l'heure, je suis entré dans une ville fantôme. Et sans déconner, on se serait cru en Ukraine. Il y a eu comme un léger malaise. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça, quoi. Merde, j'ai démoli la ligne. À part ça, j'espère que tu vas bien, Pierre Pitman. Merci à toi de te manifester sur mon canal. Hop, 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 là, je suis mal. Je suis très, très mal. J'ai redémoli un... Ok. Bon, bah la ligne téléphonique et électrique, c'est foutu avec moi. Bon, je peux plus faire ma quête puisque je viens de me faire patater. Il faut absolument... Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai aux alentours? Non, je suis proche de la ville. Je peux retourner dans la ville parce que... Enfin, dans la ville, dans le pont parce que... Here I am. Oh non, il y en a d'autres. Ah non, ils m'ont cueilli dès la sortie du... Bon. Ah, du coup, je vais vous lire dans les chats, visiblement. Hop, réparation après avoir vendu le matos. Ah, quand même, là. Là, j'ai perdu un peu de thune. Alors. Ça va, merci. Je remets en marche une imprimante à carte à puce. Oh, vache. Waouh. Nostalgie quand tu nous tiens. Donc, je vais replacer ma localisation géographique dans le GPS. You're gonna die. Heureusement que c'est des petits véhicules. Rien donné, salope. Oh non, ils apparaissent trop souvent là. Oh là là là. Hey, ils me lâchent pas les salopards. Oh, ils sont tombés dans la rivière, les idiots. Non mais hey, ils y survivent ou ils y meurent? Je veux voir, parce que moi je meurs, mais eux. Ah non, ils survivent. Ah non, c'est pas une rivière, c'est... Attends, c'est une route? Je m'étonne pas. Oula. Oh oh oh. Non, bah je vais les laisser dans leur trou perdu, là.
Je vais laisser dans un truc. Non, c'est une route, en fait, c'est pas une rivière. Ça aurait été une rivière, ils auraient explosé normalement. Stop, 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 stop. Attendez, je suis en train de me foudroyer. Ah, c'est la dite route là où je voulais descendre. Non, sérieux? C'est là que je voulais aller? Ça m'intrigue. Là, il y a rien. Ce serait la route là? The roof is on fire. Et en fait, il faudrait que je me barre là-dedans. Il faudrait que je franchisse la colline et j'aurai une route intéressante que j'ai pas explorée. Ouais, on est dans les bois. Ça va. Bonne réception. D'accord. Attends, il se passe quelque chose ici? Ah oui! C'est une ville. D'accord. Il y a des âmes qui y vivent. D'accord, c'est une station-service. Ok. Ah bah, c'est le matin. Ça, pour une surprise, c'en est une. Dans cet état du pays, après une promo sur le Nutella, guerre civile, émeute, tout ça. Here I am. Les gamins qui jouent comme des petits fous devant chez moi. C'est bien, ils fêtent leur sortie de l'école. Ouais, c'est vrai que c'est l'heure du goûter. Alors attends, que je vois de bout en bout où mène la route. Oui, on dirait de la une TP-303, c'est possible. C'est même fort probable. C'est bien, t'as l'oreille pour. Hein. Waouh. Elle a déjà pris le sien, je mets en retard pour le goûter. Ouais. Réglé comme une horloge suisse. Get ready to rumble. Get ready to rumble. Ah! Et si je tentais la quête principale? Si je tentais de patater l'ennemi? Ouais, vas-y. Alors là, normalement, je rentre en milieu hostile. Oui, bah je vais tout droit. Ce serait une base ennemie, en fait, en face. L'antagoniste du moment se planquerait là-dedans. D'accord. Une belle montagne. Le paysage est plaisant. J'ai pas d'hostilité, non. Ça a l'air d'être une ville neutre. On m'aurait raconté des bobards.
Bizarre. Oui, j'aime quand c'est un peu smooth, c'est pas trop trans, les inconnus, une citation. Oui, pardon, je me penche hors caméra parce que j'ai un jeu de lumière. J'essaie d'avoir un peu de lumière naturelle que vous puissiez me voir, mais du coup, ça m'éblouit au niveau des écrans, j'ai mal à lire. C'est pour ça que je me penche vers mon écran. Tac, tac, tac. C'est surtout Noisette qui n'est jamais en retard à l'heure de goûter. Ah. Eh ben. Bob. Attends, je vais d'abord réparer mon véhicule parce que je vais refaire le plein. Parce que s'il m'arrive un truc. Non, j'ai pas de marchandises à vendre. Alors, Bob, qu'est-ce qu'il a à dire? J'ai besoin de parler d'une certaine Alice. Tout le monde a besoin d'Alice, mais. Quoi? Ah, je viens de me faire botter le cul, il a pas aimé la manière dont je lui ai parlé. Mais attends, du coup, ça veut dire quoi? Une tonne d'anciennes armes... Ah d'accord, c'est une ancienne base militaire en fait. Ok, qu'ils ont reconverti en ville. Ah oui, sans les étiquettes des Lyodi. Ok. Ok, oui, c'est vrai que vu comme ça, ça me paraît un peu plus clair. Oh, la vache, ouais, il y a 4 grosses villes. Et il y a pas mal de petits points de retraite de... Waouh. Ok. Mais... Ouais, bizarre. Mais si je demande à re-rentrer, je me fais... Ah, je me souviens plus que j'avais les phares, tiens. Oui, je suis pas bienvenu, en fait. Ils m'ont vraiment foutu à la porte. J'ai plus le droit de revenir. Here I am. Ah d'accord, oui, c'est la quête, je pense. Je pense pas que ce soit des ennemis au hasard. Ils sont là pour me donner une correction, en fait. Donc je suis obligé de les patater, oui. Crazy! Want a team with us? We fight like this every single day! I won't have any business with you bandits. The one like you have killed my father. Where's Alice? But you're already having business with us! Well, Alice was here a couple of days ago with a message from her boss. She was in a hurry and left very soon. Do you know exactly where she went? She seems to need some sophisticated machinery. There's only one place in the world where one may find such a thing. Midgard. C'est barré à Midgard. Ouais, je veux pas la marchandise. Ouais, je m'en sors très bien finalement. Ils ont fait mousser le suspense. En disant c'est impossible, tu vas te faire exploser, mais non, finalement je me suis promené quoi. Alors du coup ça me donne envie de partir à l'exploration moi. Alors je vais re-sauvegarder. Ce serait dommage de refaire tout ça. C'est la tronche d'un camionneur de Moselle. Rien là-bas apparemment. Merde, qui c'est qui est devant? Ah.
On voit que c'est du tracteur recyclé, hein, le bec. Allez, go. Merde, il y en a un autre. Je me fais allumer, mais je sais pas par qui. Ah merde, le truc devant moi, quel idiot. Oh là là. Alors là, par contre, j'y ai perdu un tiers de mon blindage. Eh ben. Ah, il faudra que je repaye pour passer. Ah, ça va me coûter une blinde, ça. Oui. Escroc. Oh, ce péage. Non, il faut que je tourne à droite, Voilà, la station de service la plus proche, ne serait-ce que me faire rafistoler. Et seulement après, je cible une ville pour pouvoir vendre le matos. Ah, ça se passe comme ça, vous passez de Messe à Nancy. Oh non. Oh mon dieu. Ce sont les petits-enfants du PDG de Vinci, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça. Attends, je suis engagé sur la bonne route, j'ai un gros doute. À vrai dire, je sais même plus où je suis sur la carte. Ah non, je suis sur la bonne route. D'accord. Ok, la station service, elle est là-bas. Ah bah là, voilà. Enfin, la station service. Le village. Ces quelques baraquements font office de village. Comme quoi. Nickel, ça y est, je suis reparti comme neuf. Show no mercy. Oh non, mais non, mais c'est pas possible. You're gonna die. Mais non, you're gonna die toi-même. Je m'enfuis, je veux plus être à la lutte, je veux me barrer dans une ville. La carte, je l'ai plus en tête. Là, je suis dans la confusion. Ouais, bah, je vais retourner à Prout-Prout. À Pets, je sais même pas comment ça se prononce. Comme ça, je vais pouvoir vendre ma marchandise. Ouais, c'était la route là. C'était la route là.
Hop là. Nickel, j'ai pu refaire le plan. Non, je vais pas traverser. Par contre, je vais faire une sauvegarde propre. Nouvelle. Boing. Voilà. Je me pose la question. Là, je basculerais bien encore sur un autre jeu. Je suis content d'avoir un petit peu progressé à celui-là. J'hésite. Alors déjà, je te cacherai pas, Christella, je suis vraiment surpris de te voir encore connecté, de me dire que tu... Enfin, je sais pas si tu me suis sur téléphone, tablette, au lieu d'un ordi, mais dans le sens que je sais que ça chauffe chez toi au niveau température. Et je t'avouerai que je m'attendais à ce que tu passes carrément la journée avec l'ordi éteint pour pas que ça chauffe à mort. Et je serais presque tenté de te proposer maintenant, si ça te dit, c'est la suite, tu m'avais bien aidé, je te remercie, dans la cave à vin, le Guardian's Rooms, A Curious Heritage. Voilà, je propose. Ou sinon, je peux toujours tenter de me lancer à nouveau dans la suite, mais je confesse volontiers qu'effectivement, ton aide m'avait été précieuse la fois précédente, en fait, pour passer de la cave à la cuisine. Oui, voilà où. Pardon, excuse-moi, du coup, oui, voilà, je te provoque à écrire quelque chose alors que tu es peut-être en train de faire autre chose. Ça chauffe pas trop, j'ai le ventilo, oui, pourquoi pas. Ok. Ah bah merci. Bah on va basculer dans ça. Okidoki. Oui, je peux quitter dans Windows, je vais sauvegarder. Oula. Alors, que je refasse ma cuisine pour bien gérer.